Bonjour à tous et à toutes, c'est Looks like we Liquidosat lost him. 666 pour All right, l'épisode 9 I'll find some place to ditch the d'Uncharted bus. 3. Great. You doing all right? Oh, fabulous. That was too close. He'll be okay. No, I mean the whole thing. Just isn't worth it, Nate. Let this one go. Oh, no, 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 no. You can't just give up. If you let these bastards win, after this, I will never bloody forgive you. Don't you worry, Charlie. There's no way I'm letting them win. What is it with you? What are you trying to prove? I'm not trying to prove anything. Comme c'est vraiment bien fait, impressionnant. Les visages, le détail. Et je suis pas en HDMI, hein. So what's the plan, kid? Guess I'm going to Yemen. You up for it? Of course I am. All right, we gotta find a quick way in. No hassles. I might know someone we could call. Who? Elena. Oh no. No, no, no. You got a better idea, I'm all ears. What about... No. Fine. Make the call. Comme il avait sa dague. Ah, Elena. Elena Fisher, foreign correspondent. Hey, Sully. How you doing, sweetheart? Oh, no. Sorry, that's sort of frowned upon here. Oh, right. You two can hold hands, though. How are you, Elena? Good, thanks. You look great. So, against my better judgment, these permits will get you through most checkpoints. Okay, great. Oh, and I shouldn't be worried about what's in those bags, right? Of course not. No. Yeah. Not yet, anyway. All right. Remember, you're journalists now. Elle est vraiment pas mal, hein. Moi, j'adore son design. Think you can handle that? I think she's talking to you. So what exactly are you two reprobates up to? It's just a little historical research. Right. So that explains the big rush? Exactly. No cursed treasures? Nope. No diabolical warlords? No. You are the worst liar. What? You are. Oh, come on, we're not gonna start Excuse this, me. Are we? Just... The car, where is it? Oh, it's over there. I'll just take the bags and meet you. Nate. You're still wearing it. Yeah, I am. It helps in this part of the world. Oh, really? Seriously? Don't flatter yourself. I see you're still wearing yours. What? Oh, yeah. That's what this is all about, isn't it? You don't understand. I finally proved it. Drake lied about his route through the East Indies. 400 years ago, he came here. Why, Nate? That's what we're here to find out. No, I mean, why this obsession? Moi, les yeux marrons, d'habitude, ils sont bleus, je crois. I can take care of myself, all right? I'm not talking about you. What, Sully? He would go to the ends of the earth for you, Nate. Just don't ask him to. Come on, that's not fair. What is that even supposed to mean? All set? You could just drop us at the edge of the city, that'd be great. Not a chance. You two are my responsibility now. I'm not taking my eyes off of you. Oh, ouais, il faut jamais faire confiance aux femmes. Ah non, mais je dis en général, elles sont malines, hein, c'est un compliment. Donc vous devez pas être beaucoup à regarder mes vidéos, de toute façon. Oula, téléportation, chapitre 10. Donc oui, c'est l'épisode 9 et c'était l'épisode 8 avant, je me suis trompé, je crois. Ah, so this is the new point. Well, it's all relative. The city was founded at least 3000 years ago. Bien répondu. Donc là, le chapitre, je le connais, Diablo X9, non, DB300 l'a fait dans sa vidéo, test. Je connais le début, en fait. Enfin, je connais même pas ce qu'ils disent les gens, j'avais pas fait gaffe. Mais je sais ce qui se passe, plus ou moins. Bonjour. Bonjour. Bijou. Alright, now I need you to be on your best behavior. Yes, ma'am.
No, I'm serious. The police, they have patrols everywhere. Pourquoi on peut pas zoomer comme sur Batman? Ça va être enfin bon. Quoique non, c'était peut-être pas le début de ça me dit rien là. Waouh, le soleil fait mal aux yeux. Comme dans la réalité. Si je m'en souviens, je crois m'en souvenir. Oh, je sais plus. Ok, il looks like they got the street blocked off. I'll go see what I can do. You two just stay here. Ça sent le coup fourré. Hey, she's still running. Oh yeah, apparently it helps in this part of the world. What does that mean? I don't know. C'est quoi cette bague? Elle l'avait pas Right, it's no good. They're not letting anybody through. Let's try over here. I know another way around. Peut-être qu'on en saura plus sur cette bague plus tard, parce que là ça me dit rien. Parce qu'à la fin du 2, ils étaient quand même plus ou moins ensemble. Nathan et. Nathan et Elena, enfin pas ensemble vraiment, mais voilà, ils étaient très proches l'un de l'autre. Parce qu'à la fin du 2, en fait l'ennemi du 1, enfin il y a deux ennemis dans le 2, et celui qui nous trahit au début se fait exploser juste à côté d'elle. Et elle est vraiment blessée. Et, en fait, on croit qu'à la fin, en fait, on voit une tombe. On pense que c'est elle, mais c'était un autre personnage qui était mort avant. Et... Enfin, sur le coup, ça fait plaisir. Moi, je pensais vraiment qu'il l'avait fait tuer. J'aurais été triste. Mais là, elle est encore vivante et c'est l'important. De toute façon, les personnages de jeu sont tellement réussis. Même Cutter, que bon, je connais pas vraiment parce qu'il vient d'arriver, je l'aime bien. Ça vient d'arriver. Depuis 7 épisodes, on l'a vu quand même. J'aime bien, mais Elena, Chloé et Sullivan sont vraiment. Yeah, it looks like we're not getting through here either. Gonna have to find another way around. Hey, up here. Hop. Gotta be another way through. Quelle façon de monter les échelles. Un vrai chimpanzé. Come on, follow me. Hop là. Yeah, on our way. Ah, c'est bon, là d'un coup on se met à sauter de partout donc on peut faire des roulades. On, we'll just cut through. It'll be fine. Just don't break anything. C'est lui qui dit ça. Bon, j'ai peut-être dû rater des trésors, mais ça c'est pas grave. Hein. Allez. J'adore le bruit qu'il fait quand il saute. Ah. Ça c'est même dans un extrait de jeuxvideo.com. Enfin, ce qui va arriver après. Je crois que j'avais mon téléphone qui sonnait. C'est sûr qu'ici il n'y a pas de tour pour faire un attentat du 11 septembre, donc ils autorisent les avions à passer. Those buildings would have been hundreds of years old even when Francis Drake was alive. Right. Good thinking. Nate, je le savais. Je savais qu'il allait dire ça. Who? He's got Cutter's notebook. What? Wait, what? Charlie Cutter? Yeah, no time. Sully can explain everything. Hey, wait a minute. Meet you down there. Et... Franchement, comment les expressions de Sully me rappellent énormément celles de celle de Drake aussi me rappelle celle de Nathan Fillion, l'acteur qui joue Castle dans la série du même nom. Et il était un peu un comique de, je sais pas comment on appelle ça, bah déjà de situation, mais de gestes, voilà, un comique de gestes. Vraiment, il a bien des expressions qui me rappellent cet acteur. Enfin, Castle, parce que je pense pas qu'il joue, qu'il a joué que dans... Moi, je l'ai vu que dans Castle. Bon, là, je sais ce qui va se passer. Ah non, c'est pas là. Non, c'est ici. Pim. Donc, ouais, il me rappelle... Nathan Fier. Donc... Nathan Fier. C'est quoi facile à dire Nathan? Facile, ça se dit Nathan. Oh, il l'a récupéré. Il est vraiment trop fort. Et là, vous allez voir le système. Beaucoup de gens se sont servis de ce niveau pour montrer les nouveautés du système de combat d'Uncharted. Enfin, de ce Uncharted. Où il faudrait que je rapproche les ennemis. Mais on peut récupérer des poissons. Vous allez voir, il y a des... J'ai pas appuyé sur le bouton. Enfin,
Si on met un ennemi contre le décor... Mais ouais, c'est bon, j'appuie sur triangle. Plus ça va, maintenant que je suis en train de faire Batman dans le mode nouvelle... Nouvelle partie plus, on va dire que... Tout ce qui est esquive et tout, ça va, je maîtrise. Hein. Il prend cher. Hey, je suis plus malin que toi. Allez, ouh. Moi j'aime bien, c'est que le type il se prend un coup comme ça, mais me... il continue de se battre. Moi, tu me mets ça, c'est bon, j'abdique. Ah, je signe le traité de paix, moi. Ouh, bah voilà, par exemple, il a pris le poisson. Bon, c'était l'animation était un peu particulière. Vas-y. Oh là là, on le met contre le truc et tout. Enfin, ça interagit beaucoup plus avec le décor. Mais vous me direz que dans Batman aussi, des fois, il y a des... Oh, bah voilà, par exemple, il a ramassé le truc. Ah, moi, je trouve ça assez énorme. Et puis, ça, on s'y attend pas, je veux dire, à chaque fois, ça fait... Ça fait naturel de la part de Nate et on fait pour rien pour qu'il le fasse. Enfin, on appuie sur rien et ça se fait tout seul. Let's go. Maintenant, on n'est pas du tout affiché quoi. Après, ils vont discuter à propos de qui est Talbot, que vient faire Charlie. Comment elle connaît Charlie Cutter? Ça va être... Il y aura beaucoup de cinématiques et de blabla dans cette vidéo, je pense. Là, sur 10 minutes, on doit avoir 6 minutes de blabla. Et ils vont encore blablater. Est-ce que quelqu'un va filmer ici? Qui sont ces gars? Et qu'est-ce que Charlie a à faire avec tout ça? Il était travaillé avec nous sur ce point. Attends, quoi? Il n'est pas mort. Non, non. Lui et Chloé. Attends, Chloé aussi? Oui, mais ils ont tous battu quand Cutter a brisé son pied. Il a brisé son pied? Il n'a pas brisé son damn neck ou fall comme ça? Il est bien. Just between that and burning to death, I think I would have jumped too. Not helping. Just tell me what you're really looking for. This? Come here. Sully, check this out. I think we lost him. What do you got? It looks like we stumbled right into our secret entrance. Well, that's our girl. Pas je descends, il dessine super bien guns, weapons. He's not really a rug merchant. Oh, right. Bon, en marchant de tapis, c'est pas... Yeah. All right, what is all this crap you're giving me about Sully? Those guys are not here for historical research and neither are you. This is about that Marlowe woman, isn't it? Yes, but... Look at this. I finally got it. And it's just like I said. That led to this. And this led us here. To a hole in the ground. Glamorous life? Come on, admit it. You love all this as much as I do. No. No, not anymore. Really? Huh. Okay, well, why don't you just, walk away? Oh, me? Me walk away. Le tire même avec ses flingues. Shotguns? Why not? What the? What, you only had two. All right, just give me a hand with this. All right. Ready? Ça va. Oh, comme ils ont poussé ça. Because it's a well, shall we? Ah ouais, oh. Okay, guys. Oh oh. Alors la blague, je vous explique. La blague. Le coup du puits, c'est vraiment well, because it's a well. Ça c'est. De toute façon, elle était en français. Hein, oui. J'écoute plus des fois, je lis pas, je lis pas et j'écoute. L'assiette était pas mal. Donc pareil, je sais comment on résout l'énigme qui est là-dessous, parce que jeuxvideo.com l'a montré dans ses extraits. Mais c'était plus fort que moi, il me fallait des extraits de ce jeu. Enfin, non, en fait, je m'en souviens plus, par cette chance. Je me souviens de l'endroit, mais je me souviens plus comment on fait. Allez.
Sir Francis doing all the way out here anyway? He was on a secret expedition for Queen Elizabeth. Yeah, to find the lost city of Ublar. Yeah, the Atlantis of the Sands. Under this city? No, 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 it's in the middle of the Rubel Kali Desert. This place just tells you how to find it, supposedly. Uh-huh. Allez, sur mon livre. Allez, le carnet. Yeah, this place looks familiar. Wait a minute, this is what Francis Drake sketched on the back of the map. Voilà, il faut tout le temps attendre qu'il te le dise pour aller directement dessus. 007. Ah, je suis fier de ce coup quand même d'avoir trouvé avant. Francis Drake must have made these notes when he was down here. Does it tell us how to find the entrance? Well, it's pretty cryptic, but I think I can work it out. These holes must be important. Guess we just have to find the right one. How are we gonna do that? There are a lot of those holes in this room. Well, there's gotta be another clue. Look around, we're missing something. Ah, je le verrais bien comme ça. Non. Les symboles en bas, je comprends pas trop. Comme ça. Ah, c'est ça? On va se mettre là. Non, c'est pas ça. Non, on va se mettre sur une autre. On va se mettre sur celle-ci. Non. Hey Nate, there's a message scratched on the wall over here. Encore du sarabéen là. Ah, non, de l'Enochien. Can you decipher it? I'll try. Ah d'accord, en fait sa bague permet de lire l'Enochien. Fallait savoir, hein, ou j'avais oublié plutôt. The moon will show the way. D'accord, il faut que je me mette sur la lune. Down here. I am not hanging around this place till nighttime. I'm pretty sure it's a riddle. I'll make a note of it on the map. You're gonna mark up Sir Francis's 400-year-old map? What? He wouldn't mind. Oh, il s'en foutrait. De toute façon, il est mort, c'est clair. Bon. Ouais, il faut trouver la lune. Non, c'est pas la lune. C'est toujours pas une lune. Non, c'est pas la lune. C'est pas la lune. Where the fuck is the There's fucking... There's a symbol carved into the floor over here. So if I stand here... Ah, comme ça. Quoi, je suis pas dessus là? Looks like there's some kind of mechanism in there. Alright. Ah, une araignée. Mais là, ce coup-ci, il le fait tout seul. This is it. Sully, you go to that column. Des fois, je comprends pas. Elena, you take the one on the far wall there. Elle, elle va devant avant qu'on lui dise. Okay, now just reach in and find the lever. Really? I think we have to pull them at the same time. Okay, but what if you're wrong? Yeah, I kind of like this on, Nate. I use it all the time. Just do it. One. Ils ont pas peur. Ah, moi, j'oserais jamais ce genre de truc. Non, c'est clair, t'imagines? T'as le levier qui tombe sur la main, elle est broyée. Listen. What did I tell you? Oh, mais... Jeu du gunfight. Ils ont des fusils à pompe et pas moi. Wow. Oh, oh, l'impression que ça te suit du regard. Oh, oh, c'est épique. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Oh, putain, c'est génial. Oh non. Alors là, je suis sur le cul. Non, non, on dirait que... Enfin, là, ça le fait plus parce que forcément. Mais là. On dirait qu'il nous regarde. Oh mon dieu. Et c'est un travail. C'est... Oh là. Non, non plus, ça n'a rien à voir avec les graphismes du jeu. Hein. Tu peux faire ça, c'est un jeu de PS2. Dans l'idée, c'est génial. Amazing. C'est comme tu veux. Like it's some sort of mechanism. Someone scattered the gears all over the room.
D'accord. Peut-être on enchaîne les énigmes. C'est clair. Non, c'est pas le bon. Oui, c'est le tout petit. Non. Pas chiant comme énigme. Mais c'est dingue. Là, t'es juste devant. Ah merde, en fait, ouais, il est peut-être un peu trop. Ah non, il y a peut-être par rapport au symbole dessus. Comment je détermine quel truc va où? Là, déjà, ça touche pas. Ça touche toujours pas. Quelqu'un qu'on... Ah, peut-être que je monte. Je sais pas. Quelqu'un comprend ne serait-ce que la moitié de ce qu'il faut faire. Qui tourne et faut faire tourner le dernier. Il y a un super grand ici. How the hell did it get all the way up there? J'avoue. There has to be another way around. Bon, déjà, je vais retourner dans la salle du milieu. C'est fermé. Parce qu'il y avait un autre escalier. C'est des grandes aussi. Il doit falloir que je vire. En fait, on s'en fout du symbole, c'est ça? Je sais pas, j'ai l'impression que. Peut-être que c'est après où il y aura une histoire avec le symbole. Alors, comment je peux aller là-bas? Ok, j'ai trouvé. Je trompe le bouton. Je sais pas pourquoi j'appuie sur carré. Ah oui, parce que dans Call of, on saute avec carré, peut-être. On saute avec carré dans Call of? Je sais même plus. Non, charge... non, on saute avec croix. Non, non, n'importe quoi. Je me disais, mais qu'est-ce que je dis comme connerie? Vous connaissez beaucoup de jeux où on saute avec carré? Hey, this screen decodes the images. Ah, d'accord. Alright, one looks like a cross, then the other has four circles. Hey, the same symbols are on some of these gears. Huh. Symbols seem to be rotating in opposite directions to each other. Oh, trop compliqué. Okay. What the hell's that supposed to mean? C'est-à-dire que il faut qu'il y ait une croix qui tombe dans un sens. Ah, en gros, c'est pas ok. Bon, ça va. Heureusement qu'on peut pas bouger la dernière. C'est une fausse énigme difficile en fait. Parce que à la base, il aurait fallu voir dans quel sens tourne l'engrenage, calculer quelle était celle qu'on met en premier. Mais là, ah non, en fait, si. Parce que ouais, c'est moi qui ai eu de la chance de mettre en premier directement les cercles. Si j'avais mis une croix en premier, ben après j'aurais croix et croix qui se suit et donc serait tourné dans le même sens. Donc voilà, là ça tombe dans le bon sens. Non, non. non, mais on a mieux comme symbole, n'empêche. Que ça, s'il fait un peu peur le symbole. C'est dingue. Vas-y, accroche-toi ça. Et non. Et la PS3 qui s'emballe. Il fait chaud en ce moment, parce que d'habitude en octobre, la PS3 elle s'emballe pas. Hein. Oh. Ça a l'air surtout carrément compliqué. Alright, you guys wait up here. I'll go check it out.
D'accord, sympa. Sully, throw me your lighter. Alright, coming at ya. Il n'ose même pas descendre. Ah purée, faut qu'avec la lumière, je trouve. Faut que je trouve le piquet qui fait exactement la bonne ombre. On va se marrer. D'accord. Ok. Ok. That didn't work. Hop. Je comprends comment ça marche. Parce que à partir du bas, je peux pas avoir une bonne ombre. Ça fait quoi si je plante? Okay, so that didn't work on va pas essayer tous les trous, parce que sinon on aura pour des jours. Bon, alors d'ici ça fait quoi? C'est quoi le dessin? Un type qui plante un autre type qui lève le bras. Ah d'accord, il faut que j'arrive à dessiner le type qui plante l'autre type. Donc je vais m'aider de la lance. Qui est à peu près par là. Le bras qui tient la lance. Je dirais par là à peu près. Non du tout. Je capte rien. Ah mais il y a plein de lances en fait. Ça, celle-ci elle me parle. Ok, so that didn't work either. Je vais jamais y arriver, je comprends pas. Mais déjà, il faut la lance. Ah, il y a une lance là. Et attendez. Je suis pas loin là. Je l'ai. Je m'en sors très bien, ouais. Oh. Comme c'est grave bien fait. Bon, ça fait très irréaliste, je pense pas qu'à l'époque où ils ont construit ça, ils savaient faire des trucs pareils. Même de nos jours, je pense pas qu'on puisse résoudre une énigme à partir d'une ombre. Ah non, mais je suis con. L'ombre, elle a rien à voir avec ça, c'est juste parce que j'ai mis dans le bon trou. Bon. Et ben moi, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et oui, c'est une fin abrupte, une fin violente. C'est parce que comme ça, vous en demandez encore plus. Ouais, voilà. Allez, à la prochaine.